Un orignal doré. Il faut que j'aille pogne, Marcel, elle me croira jamais. Ah, tabarnouche. Et Simonac. Roger, viens, je t'attends encore. Mais qu'est-ce que c'est ça? T'attends encore besoin de toi, Hydro. C'est pas bien de penser. Le gros, c'est la pure vérité. Mais qu'est-ce que tu racontes là, le gros? C'est bien fucké comme rêve. Ah, je te le dis, Marcel, c'était un gros orignal doré de bout dans la boîte de mon pick-up. Ben voyons donc. Il y a juste toi qui peux imaginer ça. Mais c'est pas ça le pire. C'est-tu ce qu'il faisait dans la boîte de mon pick-up? Il chiait, est-ce-tu? Hein? Il a droppé une grosse bouse en me fixant droit dans les yeux. Ah, écoute, Algro, là, t'es probablement juste surexcité parce que l'ouverture de la chasse est pour bientôt. Puis tu penses que c'est pour ça que j'ai rêvé un orignal doré qui chiait dans mon pick-up? C'est sûr, c'est sûr. Ah, en fait, mon Roger, là, t'as fait un rêve prémonitoire parce que cette année, avec ce produit-là, on est sûr d'empoigner un gros comme dans ton rêve. Garanti. Ben, c'est quoi ça? Ça, le gros, là, c'est de l'huile essentielle d'orignal de Chuck Beaulieu. Tu sais, le gars de Chibougamau avec des moustaches? Ah, ouais. Mais il paraît que tu te verses ça dans la face, là, pis tous les orignaux de la région vont se garocher sur toi. Sans ça, le gros. What? Hey, ça sent la bête en titi, hein? Mais hein? Écoute ce qu'a dit l'infopub. Hey, mon chum! T'es tanné d'aller en chasse à l'orignal puis de revenir juste avec un écureuil attaché sur le toit de ton pick-up? Tant pis plus que tes amis risquent de toi parce qu'ils disent que tu serais même pas capable d'attraper un steak de chevreuil d'un comptoir d'épicerie? Ben, j'en plais ce qu'il te faut, mon chum. L'huile essentielle d'urine d'orignal de Chuck Beaulieu! Développé en collaboration avec les scientifiques du Granby, l'huile essentielle d'urine d'orignal de Chuck Beaulieu ne contient aucun additif chimique. Juste de la bonne vieille pisse d'orignal! Ah ouais, mon beau! Avec l'huile essentielle d'urine d'orignal de Chuck Beaulieu, c'est pas mêlant, les orignaux vont faire la pile pour se faire tirer par toi! Mais c'est pas tout, mon chum! Parce qu'à l'achat d'un contenant d'huile essentielle d'urine d'orignal de Chuck Beaulieu, elle scratch ma face sur le petit pot! Puis si tu découvres une image d'orignal en dessous de ma face, ben, tu gagnes un voyage de chasse pour deux dans la plus belle pourvoirie québécoise dans le monde! La pourvoirie de Chuck Beaulieu! Aïe, aïe! As-tu entendu ça, Roger? On peut gagner un voyage de chasse! Hey, scratch sa face, le gros, scratch sa face! Meilleure chance la prochaine fois. Oui, une image d'orignal, Roger! On a gagné! Réalises-tu, Algro? On s'en va pour voir Chuck Beaulieu pour le plus beau voyage de chasse de notre vie! On a gagné! On a gagné! Bonjour, messieurs, et bienvenue à la pourvoirie de Chuck Beaulieu! Je suis Chuck Beaulieu et voici mon fidèle serviteur amérindien, Mingo. Bonjour. J'ai acheté un terrain de pourvoirie pour deux bouts de miroir, un vieux skidou et une caisse de bière. Une méchante bonne affaire. En effet, toute une aubaine. Ici, vous êtes dans un site unique, complètement coupé du monde. Personne ne peut venir nous embêter.
En tout cas, on est bien, bien content d'être ici, M. Beaulieu. Ah, appelez-moi Chuck! Appelez-moi Chuck, voyons donc! Vos installations sont impressionnantes, M. Chuck. Ah, j'avais encore rien vu. Ah, venez, je vais vous faire visiter. On a un jacuzzi extérieur ensemencé avec de la truite. Ça fait touille! Oh, oh, oh! Je pense que j'en ai un! Un mini-pot thématique construit avec mes plus belles prises. Birdie! On a même un stand de tir au sous-sol pour les journées pluvieuses. Je suis juste pas battable. Ah ouais, Mingo, donne-moi mon toto. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette fin de semaine de chasse qui s'annonce déjà mémorable. On est vraiment content d'être ici. J'ai un feeling que ça va être la fin de semaine la plus intense de ma vie. Effectivement, ce sera très intense. Messieurs, messieurs, permettez que je fasse les présentations. Voici le colonel Richard Patterson, chasseur de classe mondiale qui a fait 6 fois la couverture du magazine Top Killer. Il a déjà battu 5 antilopes avec une seule balle. Pisteur en fer, il est capable d'identifier les selles de 326 espèces différentes. Definitely a black rhinoceros de 628 kilos. Très impressionnant. À ses côtés, Vladimir Kotchenko. Bonjour. Un chasseur milliardaire russe qui a chassé les animaux les plus exotiques de la planète, comme le krakakouko dans la cordillère des Andes. Il s'est récemment rendu au Japon pour chasser des Pokachu. Il a même fait cloner un mammouth. Ah, oh, magnifique. Avant de l'abattre. Chanceux! Et finalement, voici Roger et Marcel, les gagnants de mon concours Scratch ma face. C'est un honneur de rencontrer des grands chasseurs comme vous. Ouais. Hey Marcel, regarde le tableau au-dessus du foyer. C'est l'orignal de mon rêve. C'est lui qui chienne dans mon pick-up. Hein? Vous avez rêvé au grand Tatanka qui faisait sa crotte dans votre pick-up? Ouais, il a fait ça en me fixant droit dans les yeux. Oh! Mais c'est qui ça, Tatanka? Il y a de cela très, très longtemps, 3 chamans au cœur noir comme la suie ont voulu prendre le contrôle des terres de mes ancêtres. Pour cela, ils ont invoqué Wendigo, un esprit maléfique qui se nourrit de la chair des hommes. Mais Wendigo est vite devenu incontrôlable. Pour l'arrêter, le grand Manitou a dû descendre sur Terre en prenant la forme de Tatanka, l'orignal doré. Mais Wendigo, vif comme le vent, a réussi à s'enfuir. Depuis ces temps anciens, on raconte que Tatanka est resté parmi nous pour nous protéger de Wendigo, qui rôde toujours dans les parages. Heureusement que c'est juste une légende pour impressionner les petits-enfants. Sinon, on aurait peur d'aller dans le bois. Peur d'aller dans le bois. Allez, pour remettre de l'ambiance, je propose un toast pour lancer officiellement notre partie de chasse. Da. À nos futurs proies qui ne savent pas encore ce qui les attend. À nos futurs proies! Oh boy! Hey, c'est fort, ça! Ouais, on a fait une recette spéciale juste pour vous. Hein? Mais qu'est-ce que c'est ça? Hey, Aldro, réveille-toi! On est tout nus dans le bois! Hein? Mais comment ça? Qu'est-ce que c'est ça? Bonjour, monsieur! J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes en forme, parce que vous allez en avoir de besoin! Mais qu'est-ce qui se passe ici, là? Ben, vous voyez bien, on se prépare pour la chasse!
C'est parce qu'on n'a pas trop l'habitude de chasser en bobette. Est-ce qu'on peut avoir nos vêtements et nos fusils? Vous, pas en avoir besoin. C'est vous, là, j'ai bien. Moi, mes amis, avons beaucoup de plaisir à chasser la proie la plus fabuleuse du règne animal. Le human. Il est bon. Vous nous niaisez, là. Non. Quand moi va avoir capturé vous, moi avoir l'intention de faire belle pantoufle avec vous. Et moi, j'ai l'intention de vous faire mijoter à feu doux dans un grand chaudron avec de petites potatoes et un soupçon de sauce Worcestershire. Delicious. OK, c'est plus drôle, là. Arrêtez de niaiser. Je pense qu'ils sont sérieux, Roger. Mais vous êtes fous! Vous pouvez pas nous abattre comme ça? Bien sûr que non! Ce serait pas du sport! C'est pour ça qu'on vous donne 10 minutes d'avance. Arrête-toi, j'en peux plus! Hey, tu parles d'une gang de malades! Hey, c'est incroyable! J'aurais jamais cru qu'un gars aussi sympathique que Chuck Beaulieu serait un fou sanguinaire! Moi non plus. Mais c'est vrai qu'hier après-midi, j'ai trouvé ça bizarre quand il nous a apporté une collation. Des doigts de poulet, monsieur! C'est des doigts de poulet, ça? Oh ouais! Ah, pas mal pantoute. Passe-moi là, le cabaret. Allez, let's go, Roger. Faut y aller, ils vont nous rattraper. Roger, écoute-moi, gros. Pour te sauver des méchants, cache-toi dans la grotte derrière le buisson. Come on, négro, faut pas niaiser, là. On va finir d'un grand chaudron avec des petites patates puis de la sauce Worcestershire. As-tu vu? As-tu vu derrière toi? De quoi tu parles, là? De qu'est-ce que j'ai pas vu, là? Hé, hey, Calvin, c'est une zone que j'ai rattrapée! Suis-moi! Il y a une grotte cachée derrière les buissons! Comment tu sais ça, toi? T'es sûr qu'ils sont passés par ici? Le nez de Richard Patterson ne le trompe jamais. Le gibier est tout prêt. Non, eux sont trop abrutis pour être allés très loin. Indeed. La chasse ne s'annonce pas très exciting. J'ai déjà chassé des chevreuils qui avaient l'air plus intelligents que ces deux-là. J'avoue qu'on est tombé sur deux maillons faibles de la chaîne alimentaire. Mais il faut pas vendre la peau du chasseur avant de l'avoir tué. Je vous propose un petit défi. On se sépare, puis le premier qui l'attrape, il gagne le droit de choisir le meilleur morceau à manger. OK. Interesting. Moi, vous les rapportez vidés et prêts à cuire dans 10 minutes. Ben, bonne chance, les gars. Ah, ils se prennent pour qui, eux autres, à dire qu'on n'est pas plus brillants que des chevreuils? Ben, c'est quand même pas fou, un chevreuil. J'en ai déjà vu un sur YouTube, il a foncé sur un chasseur, puis il a sacré toute une volée. T'as bien raison, gros. On se laissera pas faire. Si un chevreuil est capable, on est capable, nous autres, ici. Mais, hein, on va leur montrer de quel bois on chauffe. Hey, c'est le Québec, ici. C'est chez nous. On se prend pas niaiser sur notre territoire. Yes, sir! Tape là-dedans, mon Roger! Comme le chevreuil sur YouTube! Comme le chevreuil sur YouTube! Comme le chevreuil sur YouTube! Yeah, baby! Yeah! 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 Let's go! Hey, vas-y, gros! Ça, c'est le volet! Comme le chevreuil sur YouTube! Wow! Unbelievable!
Ce n'était pas le genre de chasse à laquelle je m'attendais, mais merci de m'avoir bien amusé. Very entertaining. Fais quelque chose, Marcel! Kabunga! Mais vous êtes absolutely incredible! De ma vie, je n'ai jamais vu des morons comme vous deux. Hey, merci, le gros. Hey, t'as vraiment été chanceux que ta flèche entre dans le canon de son fusil. Ben, de quoi tu parles, le gros? C'est pas de la chance, c'est du talent pur. Tu sais bien que j'ai toujours eu du vaisseau, moi. Ben, gardons ça. Finalement, la chasse s'annonce intéressante. Non. Notre petit concours tient toujours. Plus que jamais, mon cher Kotchenko. Plus que jamais! Oh! 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 Diantre! Quel horrible malheur! Je me suis tordu la cheville! Roger, sauve-toi! Laisse-moi mourir ici seul! Jamais je ne te laisserai! Tu es mon meilleur ami! Je préfère mourir héroïquement à tes côtés, Aldro! Ah mon Dieu! Cette fois, c'est la fin! C'est la fin! Nous sommes cuits! Moi, gagner le concours? Hey, good job, Aldro. Il en reste juste un, juste un. Chuck s'attendait sûrement pas à tomber sur des chasseurs aussi intelligents que nous autres. Finalement, c'est le fun comme voyage de chasse. Ouais, ouais. Il y a juste une chose qui me manque. Oh. Oh, regarde ça, Aldro! Une glacière remplie de bière froide! Hey, minute, Aldro, minute. Ça sent le piège à plein nez. Ah, voyons donc, Marcel, t'exagères, là. Attention, Roger! C'est un piège! C'est un guet-apens, Aldro! Mais non! C'est probablement quelqu'un qui l'a oublié là, là, c'est tout! On va ramener aux objets perdus, puis juste en boire deux ou trois! Oh! Oh! Roger! La bête est touchée! Mais inquiétez-vous pas, je vous laisserai pas souffrir longtemps. Accroche-toi, gros! Il faut qu'on se pousse vite! Attends une minute, Ça va-tu, Roger? Ah, ça va déjà pas mal mieux. C'est bon. Oh non! On peut pas aller plus loin! C'est plate, mais ça a l'air que c'est ici que ça se termine. Messieurs, avant de vous abattre, j'aimerais vous remercier sincèrement pour la magnifique journée que vous m'avez fait passer. Vous avez tué mes deux meilleurs amis, mais ça en valait la peine. Chapeau! Alors, Chuck, tu peux pas nous abattre comme ça, là? On est sans défense, là. Y a rien de sportif là-dedans. À le côté sportif de la chasse, là, moi, ça m'a jamais intéressé. Ce que j'aime, là, c'est de voir la terreur dans les yeux de mes proies, là, au moment des abattes. Pas vous? Non, pas vraiment. Adieu, monsieur! Merci beaucoup. Wendigo, démon des enfers, retourne dans les profondeurs de la terre! Mais qu'est-ce que c'est ça? Tu le vois, Marcel? Tu le vois? Ben, mais ça que je le vois! C'est l'orignal de mon rêve! C'est lui qui chie dans mon pick-up! Oui! Tu vas arrêter de m'emmerder! J'en ai payé mon casque à chaque fois que j'ai un peu de fun! Tu viens de me chier dessus! Ça suffit! T'as
arrête ça aujourd'hui, sinon... Je suis Tatanka, l'esprit du grand Manitou, venu sur Terre pour chasser Wendigo, l'esprit maléfique. La légende de Mingo était vraie. Roger, tu as un cœur pur et tu respectes la nature. C'est pourquoi je t'ai choisi pour m'aider à chasser ce démon de mes terres. Ah ben, merci, Monsieur Tatanka. C'est super fin, là. Je suis touché. Tatanka appartient au monde des dieux et ne doit pas intervenir dans le monde des mortels. Mais toi et ton camarade, vous êtes tellement morons que je n'ai pas vraiment eu le choix. Franchement, un couleur de bière en plein milieu de la forêt, je t'assure que c'est un piège à gros. Allume! Ah ben, je m'excuse, Monsieur Tatanka. C'est en plus fort que moi. Adieu, humain. Et merci. Wow. Si on raconte cette histoire-là, Algro, il n'y a jamais personne qui va nous croire. C'est vraiment incroyable que Tatanka t'a choisi, toi, Roger, pour chasser Wendigo. Ben, qu'est-ce que tu veux? Quand t'es hot, t'es hot! Grâce à vous, j'ai pu racheter mes terres à Chuck. Contre une paire de mocassins, une Bombers et un Canada Dry. Une méchante bonne affaire. Pis qu'est-ce que tu comptes faire de la pourvoirie maintenant? Une belle grosse réserve, en harmonie avec la nature et la terre de tes ancêtres. Ben, c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête. Hog, visage pâle, t'aimes la nature et les slot machines? Ben, viens voir le beau Mingo dans son gros casino. Ici, si tu pognes trois castors dans ma machine, tu gagnes une casquette en peau de moufette. Trois hiboux, deux cartons de cigarettes. Trois orignales, jackpot, 100 millions de dollars. Au casino du Bon Mingo, tout le monde est un big winner. Viens me voir et toi aussi tu diras Bingo Mingo!